Audio Jungle. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons dans un arbuste, assez dangereux. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Comme d'habitude, hein, c'est toujours dangereux les frelons asiatiques. Allez, regardez. Vous voyez ici, on voit la piscine. Donc on peut voir que les enfants peuvent jouer. Jouer au ballon, et imaginons un ballon part dans cet arbuste là. Et bien ici vous avez un nid de frelons. On va pas le voir parce qu'il est bien caché, mais si on attend un petit peu, on devrait voir un frelon arriver. Voilà. Donc ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'habiller et on va aller regarder ça de plus près. Allez, à de suite. C'est parti pour le combat. Allez, on va voir ça. Bon, ça risque de piquer. On va passer par là. On va allumer l'autre GoPro. Essayer de savoir qu'est-ce que ça peut donner. Vous allez voir un peu comment je vais me faire attaquer. Là, ça devrait être pas mal. Allez, je vais vous montrer où il est le nid. On va tourner la caméra. Alors, l'entrée du nid, elle est juste là. Si vous le voyez, juste là. Très dangereux. Ouais. Un enfant joue avec un ballon, envoie le ballon dans l'arbuste à côté de la piscine. Hein. Il y a de grandes chances qu'on joue au ballon de piscine. Et là, c'est attaque. Voilà comment on se fait attaquer. Voilà. Donc, attention au va-et-vient d'un point fixe, d'un frelon. Allez, maintenant on va attaquer de notre côté. Voilà. Ben donc là c'est la grosse attaque. Donc on voit la taille du nid. À peu près la taille d'un ballon de foot. Hein. On voit qu'il y a des larmes. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez les Dédés, hein? Un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et moi je dis chantier suivant. Allez, un gros bisou, à bientôt. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques dans un compteur encore. Un jardinier qui est venu travailler s'est fait piquer. Encore une piqûre. Beaucoup de piqûres cette année, je trouve. Allez, je vous montre ça. Alors, vous voyez le compteur juste là. Il est juste derrière le nid, sous cette petite plaque. On va essayer de le regarder par là. Donc le jardinier a voulu couper autour, vibration, automatiquement piqûre. Donc on va aller traiter ça, on va lever cette plaque, on va essayer de voir ça et ben, on va les tuer, hein, comme d'habitude. Allez, je m'habille, je vous dis à de suite.
C'est parti pour le combat. Allez, on va regarder ça. Allez, on va regarder ce nid. On va lever le pulvé. On va le mettre à côté. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir lever la plaque sans abîmer le nid. Mais on va quand même déjà redresser. Allez, s'asseoir déjà un petit peu. Juste enlever ça. Regardez-moi ça. Alors, comme il y a la rue juste à côté, on va vite traiter. On met des petits à-coups. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les délais? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas petit. Est-ce que je vais pouvoir le lever? Je sais pas trop. Allez, on va essayer. Pas mal les dédés, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez s'il y a des larves. Ouais. Il y a des larves, il y a tout ce qu'il faut. Bon, ça vole un peu. Allez, on va remettre la plaque. Allez, regardez les dédés. Si on observe un peu, on voit que les frelons reviennent au nid. Ça reste quand même l'objectif premier. Regardez, tout le monde va essayer de revenir. Hop, ils vont toucher la poudre. Et basta. Allez, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Encore un nid dangereux, avec piqûres sur Kylian. Beaucoup de piqûres cette année, je trouve. Voilà, donc faites très attention à un va-et-vient d'un point fixe d'un frelon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Donc moi je vous dis à très bientôt les dédés. Quoi? T'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Oh,